voici Laura Domand. Compris pourquoi Leïla Bekti et Louise Bourgoin étaient nos invités. Oui, j'ai compris, mais j'ai oublié. Mais quel plaisir d'être avec vous. Ça fait du bien quand même quand il n'y a pas Tristan Lopin. C'est gratos. Ailleurs, c'est une balle perdue comme ça. Leïla Bekti, bonjour déjà. Je suis très contente de vous voir. Après votre rôle dans La Flamme et Le Flambeau, la femme dangereusement passionnée que tente désespérément de fuir l'aide sur lequel vous avez jeté votre dévolu, vous incarnez dans ce film la prétendue épouse d'un homme qui ne se souvient plus de vous. C'est donc souvent qu'on vous voit galérer pour obtenir le cœur d'un homme. Je ne sais pas quel est votre signe, mais je crois que j'ai le même que le vôtre. À savoir ascendant galère. Cet homme qui a participé à la guerre de 14-18 revient amnésique donc et voit Leïla Bekti et Louise Bourgoin se battre pour lui, clamant toutes deux qu'il était leur mari. J'ai envie de dire, il y a pire comme réveil. J'ai connu des gueules de bois plus sordides, n'est-ce pas Leïla? Toujours. Voilà. Elle s'est reconnue. Toujours. Cet homme qui perd la mémoire, moi ça m'a remué. Je me suis dit, quand je pense à tous ces mecs que je croyais amoureux de moi, qui ont disparu du jour au lendemain avec des excuses du genre me suis fait pirater mon Insta. Ah bon? Et ça t'empêchait de répondre aux mails, au WhatsApp et même à mes cris en bas de ta fenêtre, alors qu'ils auraient simplement pu feindre une amnésie. Comment ils doivent être dégoûtés en voyant le film. Je réalise qu'il fut un temps où le ghostage s'appelait la guerre. Non, normal, il n'y avait pas l'excuse de j'ai perdu mon portable. Il y avait celle de on n'a pas encore inventé le portable à la rigueur. Mais ce n'était pas très à la mode comme prétexte. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des bâtards qui en ont profité. Tu sais, les mecs qui ont fait t'es enceinte, bah merde, ça tombe mal parce que je suis appelée au front. D'ailleurs, peut-être même qu'il n'y a jamais eu de guerre, que c'était un complot de mecs avec les Allemands comme complices pour ne jamais nous revoir. Alors, je précise pour nos auditeurs qui ont appliqué les restrictions énergétiques bien avant les pénuries en vivant dans le premier degré, que je déconne. Voilà. Je plaisante vraiment pour dédramatiser de cette sordide tranche de l'histoire qui est la Première Guerre mondiale. Franchement, c'est affreux. Moi, je suis hantée par la peur de l'abandon. Pendant longtemps, j'ai eu peur que mon mec me quitte parce que je pense que je n'y survivrai pas. Une deuxième fois. Bah oui, parce qu'il m'a déjà largué une fois. Normal, je comprends. Je ne me dévalorise pas, je suis juste lucide. Je vous rappelle que j'ai un ascendant galère. Maintenant, je n'ai plus cette peur. J'ai plus cette peur-là, déjà parce que j'ai plus confiance en nous et parce qu'un divorce, ça coûte cher et qu'il est pauvre. En vrai, on a traversé des épreuves qui cimentent un couple. Genre l'achat d'un nouvel aspirateur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah oui, on va pas prendre un Dyson, ça coûte une blinde. Ah bon? Parce que tu le passes, toi, l'aspirateur? Non, moi, je n'ai plus peur qu'il me largue, mais j'ai encore peur d'être abandonnée. Donc désormais, j'ai simplement peur qu'il meure. Voilà. C'est très handicapant au quotidien. Non, je t'en supplie, n'y va pas en scooter, c'est hyper dangereux. Non, pas en bicyclette, c'est pire. À pied, t'es sérieux avec tous ces scooters et ces bicyclettes qui déboulent de n'importe où? Tu veux ma mort, ta mort? Oh, je sais plus, mais m'abandonne pas. C'est terrible. Pour moi, la mort, c'était le seul truc qui pouvait nous séparer. Mais là, Leïla Bekti, Louise Bourgoin, vous venez de me rajouter une autre angoisse. L'amnésie. Vous sponsorisez la thérapie ou pas? Il pourrait être en vie, mais sans mémoire. Il faudrait le refaire tomber amoureux de moi. Putain, c'est chaud, je sais plus comment j'ai fait la première fois, je suis pas sûre d'arriver à le refaire, moi. Imagine, il se réveille un jour en disant « Mais qui est cette femme à la moustache protubérante ?» Le sosie officiel de Georges Brassens? Quoi? Ma femme? Mais oui, rappelle-toi, tu étais amoureux de moi. Moi, j'étais amoureux de ça, enfin de toi. Oui, je t'assure, moi non plus, je me souviens pas trop pourquoi. Bah attends, c'est qui l'amnésique? L'avantage, c'est que je pourrais profiter de sa vulnérabilité pour lui injecter des souvenirs un peu personnalisés, tu sais. Mais rappelle-toi, mon amour, tu disais que tu adorais me faire des massages et faire le ménage. Je me souviens que tu étais si heureux le jour où on a acheté un Dyson, tu veux le passer tout le temps. Essaye un peu pour voir si ça te fait retrouver la mémoire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si c'est moi qui perds la mémoire? Je ne suis pas certaine qu'il viendrait me réclamer, le salaud. Et je ne pourrais même pas le retrouver vu que je l'aurais oublié. Maintenant, je comprends pourquoi les gens se tatouent le nom de leur conjoint ou conjointe, tu vois. C'est au cas où. Alors, mon amour, breaking news, Laura, ça ne s'écrit pas. Pardon, je recommence ma chute. Alors, mon amour, breaking news, Laura, ça ne s'écrit pas F-U-I-S, ok? Ouais, non, j'avais une très bonne chute, mais je l'ai oublié. Merci. Laura Domange, on ne va pas oublier de dire qu'elle est en spectacle. Ah oui. De mémoire, elle est à la Scala, à Paris, le dimanche. Non, le mardi. Ah, dis donc, j'ai bien fait. Et le 28 avril, à Marche. Et le 28, à Marche Prime, près d'Arcachon. Voilà.